C'est au total 100 jeunes, dont certains issus des milieux défavorisés de la capitale économique gabonaise, qui seront outillés 10 jours durant sur les notions de base de la pratique du football. À l'opportunité d'un camp de vacances organisé pour les jeunes de 10 à 17 ans et dans l'enceinte du stade Pierre Claver d'Ivungi, les heureux bénéficiaires ne pouvaient que dire leur enthousiasme. J'apprécie l'initiative du monsieur le ministre d'avoir fait ce camp pour permettre d'arrêter la délinquance juvénile à Port-Gentil. Je pense que cette initiative peut m'apporter beaucoup de chemin vers le football. Que par exemple, en jouant, il peut avoir un recruteur quelque part et il peut avoir ma chance de percer. C'est plutôt tranquille, c'est mieux pour le développement du football ici chez nous à Port-Gentil. Et nous, en participant à ce genre d'occasion, nous sommes fiers. À l'initiative du ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye, en tant qu'office de la localité, les autorités administratives et de la transition ont pris part à la cérémonie d'ouverture du LICAN. Ces jeux leur permettent non seulement de développer leur niveau d'échange avec les autres, mais aussi de se prendre en charge. Non seulement le sport instruit, il forme. Il permet aux jeunes d'être en contact et comme l'a si bien dit monsieur le gouverneur de Guyane-Maritime, permet aux jeunes de ne pas faire n'importe quoi. Avec un partenaire technique, Terre de Foot Gabon, des jeunes plutôt enthousiastes et les moyens d'un parrain soucieux du bon encadrement des participants à ce camp de vacances, on peut aisément déjà compter 100 Port-Gentillais éloignés de l'oisiveté et des affres de la délinquance juvénile.